Alors, on observe une brutale tension dans cette campagne après les propos de Lionel Jospin, vous trouvant manquant d'énergie, fatigué, vieilli, usé par l'exercice du pouvoir, ça vous choque? Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Pas pour moi, naturellement. Mais pour les Français. J'ai engagé la campagne, il y a un mois. Et j'ai fait des propositions, celles que je croyais utiles, sur la sécurité, sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'environnement. Et j'attends les propositions des autres candidats, notamment celles de M. Jospin, pour en discuter. Et qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. On me dit que c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Alors, je pense que les Français ont droit à autre chose, à un véritable débat digne d'une démocratie. En tous les cas, moi, je continuerai parce que je critique cette dérive, je m'inquiète de cette dérive, je ne m'associerai pas à cette dérive, et ça me fait, je le répète, finalement, pas rire du tout.